Bête vilaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe des plus prometteurs de cette industrie. Et pour ceux et celles qui ne les connaîtraient pas, restez avec moi. Bête vilaine est un groupe de filles sud-coréens formé par l'agence BPM Entertainment, l'agence de BB's ou du soliste Taemin. Le groupe est composé de 7 membres avec Emma, Chloé Yang, Ue, Ina, Yeonso, Vin et Kelly. Alors pourquoi je vous parle de ce groupe? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant les débuts du groupe, certains membres étaient déjà connus du public. C'est le cas de Ue et de Yeonso qui étaient des concurrents de l'émission de survie My Teenage Girl de NBC. Emma, elle, était connue pour sa participation à la célèbre émission de danse en Corée du Sud, Street One Fighter, où elle choqua le public par sa technicité. Elle est devenue virale après avoir effectué son body rolls durant l'émission. Et Chloé Yang était membre de la célèbre équipe de danse One Million. En 2024, l'agence réalise des teasers du groupe Bête vilaine, composé de ses propres stagiaires, en cachant leur visage pour pas que l'on sache de qui il s'agit au départ. Deux vidéos de danse ont été publiées sur les chansons Hurricane et Plus 82, révélant une formation de 7 membres. Ces vidéos sont devenues virales sur internet, montrant les capacités chorégraphiques impressionnantes du groupe. Puis le 3 juin 2024, Bête vilaine fait ses débuts officiel avec la sortie de l'album single Overstep avec le single principal Bête vilaine. Le MV du single principal a dépassé les 10 millions de vues 17 heures après sa sortie, ce qui est le plus rapide pour les débuts d'un groupe de filles en 2024. Le 26 juin, Bête vilaine sort son single Hurricane qui est bien accueilli par le public. Bête vilaine possède un style musical très différent des récents groupes que l'on a pu voir ces derniers temps. Ce qui le différencie fortement, ce sont les chorégraphies et le talent en danse que les filles possèdent dans le groupe. Personnellement, le groupe m'a rapidement choqué et m'a fortement impressionné dès les premiers teasers. En plus d'être extrêmement actif sur les réseaux sociaux, les filles sont aussi proches de leur communauté et donnent envie de les supporter jusqu'au bout. Globalement, Bête vilaine est un groupe de la 5ème génération à suivre de très près car selon moi, il va rapidement se faire une place parmi les meilleurs groupes de cette génération. Et vous, vous en pensez quoi?